last question from Catherine Fiancamp, Bokonga, France 24. Catherine, you have the floor. Thank you, Fadela. Good afternoon to all of you. My question is related to Ebola. And excuse me, what Michael said before, I'd like to know a bit more about the research and development on vaccines on the other Ebola types, because if I know well, I mean, there are six types. The one that we have now is the Zaire Ebola virus. And I'd like to know what is the research doing now about other vaccines against the other types, and also why don't you organize a prevention vaccination campaign to the regions that are usually the most affected, because we notice that it is always the same regions in DRC particularly that are hit by the Ebola virus. Thank you. And if Dr. Sose or Telago could answer in French, that would be nice, so we can use it for French TV. Thank you. À moi, non? Je vais laisser la parole avec Sose. Sose, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. Il faut préciser que nous avons un vaccin juste pour Ebola Zaire. Pour les autres espèces, nous n'avons pas de vaccin dans le pipeline. Donc, il est important donc, de continuer à investir sur la recherche et le développement pour avoir des vaccins pour toutes les formes d'Ebola, mais aussi pour d'autres aussi dangereux que le virus de Marburg. Et donc, si on ne fait pas attention aujourd'hui, nous parlons de milliards de doses pour COVID-19, mais si on ne fait pas attention, des maladies comme Ebola et les autres fièvres hémorragiques virales risquent d'être des maladies négligées et le danger est toujours là. En termes de stratégie de vaccination, il faut dire aussi que le vaccin qui est, ou les deux vaccins qui sont disponibles maintenant, le vaccin de Merck, le vaccin de Johnson, n'ont été approuvés que récemment. Donc, les quantités disponibles restent encore limitées. Donc, la stratégie utilisée et qui est très efficace, qui a toujours marché, qui a été utilisée depuis l'élimination de la variole, est la stratégie de vaccination en ceinture, où les contacts des cas et les contacts de ces contacts à travers leurs réseaux sociaux sont vaccinés pour arrêter la transmission. Maintenant, dans le futur, il sera important de continuer à développer plus de vaccins pour avoir une approche préventive. Donc, dans des zones qui sont connues à risque, qui sont les réservoirs de virus pour Ebola, qu'on puisse avoir une stratégie préventive sur la base de vaccins efficaces et disponibles en quantité suffisante. Pour le moment, nous posons la priorité pour les travailleurs de santé et les contacts des contacts. Merci. Là, il faut aussi se mobiliser comme on l'a fait pour COVID. Il est important qu'on puisse augmenter les capacités de production et qu'on puisse produire suffisamment. Le deuxième point, c'est qu'au niveau de l'OMS, nous travaillons avec tous les partenaires sur un programme pour la lutte contre Ebola. Et ce programme, bien sûr, aura le volet vaccination avec le prépositionnement de vaccins qui est en cours avec des partenaires comme l'UNICEF. Mais ce programme devra, dans le futur aussi, permettre aux pays de mieux se préparer, d'avoir leur système de santé capable de répondre à cette épidémie, parce que le virus existera encore dans l'écosystème. Ce n'est qu'une question de temps pour l'avoir et avoir des résurgences dans ces pays-là. Donc, un programme à long terme est essentiel, comme nous l'avons pour certaines maladies comme la fièvre jaune. Merci. Those of you who know me will know, I don't say this very often, but I would like to recognize the contributions made by the companies Merck and J&J. The development, the research and the production of these vaccines was never made with profits in mind, and the company Merck has actually constructed a brand new plant in Germany to produce this vaccine. And because of the production challenges for this type of vaccine, it's in relatively low volumes. So we would like to be able to expand that. But I have to recognize that both companies have
been very diligent and really are working to try and produce these vaccines that everybody thinks they need every 4 or 5 years, but then in between, everyone loses the will to continue their production and their development. So there's been a fantastic public-private partnership between the R&D Blueprint for Epidemics. We do have the target product profiles for all those other vaccines we need for the other Ebola strains. The work continues. The ultimate endpoint for this, and I'm sure Kate would love this too, and Anna-Marie and so many else, is a multivalent vaccine capable of protecting against multiple Ebola strains that we could certainly use in frontline health workers. We saw just now in this last outbreak in Guinea, the first major case that was detected is a healthcare worker. Again, the mine canaries of this system, but also occupational workers at risk, charcoal workers, people who work in the rainforest. There are many populations who are at risk who could be protected if we have enough vaccine that's safe and obviously at the appropriate cost. So this is